Donc maintenant, on va déterminer la nature de cette constante qu'on a dit. Donc, on a dit que f qu'on a trouvé là, elle doit vérifier 2. C'est-à-dire que si je dérive f par rapport à y, je vois, si je dérive mon f là que j'ai trouvé par rapport à y, je dois trouver ce que j'ai en 2. Donc f doit vérifier, elle doit vérifier 2. F doit vérifier 2. Notre objectif de faire cela, c'est de déterminer la nature de cette constante. Donc f doit vérifier 2, c'est-à-dire que df sur dy, si j'ose dire, est égal df sur dy pour 2. Bon, je n'écris pas ça. Je vais tout simplement dériver ma fonction f par rapport à y que j'ai trouvé. C'est-à-dire que c'est que je dérive ma fonction f par rapport à y en considérant que x est une constante. Donc, cos x est une constante. Considérez-la comme un k, un a, une constante. Donc, ça va me donner et y, c'était la variable. Donc, ça me donne moins cosinus x en toute simplicité. C'est comme moins ax prime est égal moins a. C'est la même chose. Donc, plus d sin de y sur dy. Et alors, on a dit que ça doit vérifier 2. Pour 2, j'ai df sur dy est égal à moins cosinus x. C'est-à-dire que ça est égal à moins cosinus x. Eh bien, moins cos x, bon, je prends ce moins cos x, je le place là, bon, ça donne 0. Donc, dc de y sur dy est égal à 0. Parce que, comme vous voyez, voilà. Alors, si je dérive cette constante qu'on a dit qu'elle peut dépendre de y. Si je la dérive par rapport à y, ça me donne 0. Donc finalement, elle ne dépend pas de y. Parce que j'ai trouvé 0. Donc, c ne dépend pas de y. Et elle ne dépend pas de y. Donc, c'est une vraie constante. Donc, c est une vraie constante. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de y en toute simplicité. C'est une vraie constante. Donc, finalement, notre fonction f de x, y est égale moins y cosinus x plus une constante. Cette constante, c'est une vraie constante. Oui. Ça, c'est une méthode. On va utiliser la même méthode, mais on va partir de l'équation 2. Si vous avez bien compris, partez de l'équation 2 et il faut que vous trouviez la même fonction. Il faut trouver moins y cos x plus une vraie constante. Utilisez les mêmes méthodes. Utilisez tout cela pour trouver votre fonction. En partant de l'équation 2, c'est ce qu'on va faire dans la part qui va venir.